a de plus en plus de monde, les boule-toutes, qui se lancent en affaires. Cette semaine, par exemple, notre collaborateur Jacques Chevalier-Longueuil s'est lancé en business en devenant, mesdames, messieurs, propriétaire d'un garage. Mesdames, messieurs, Jacques Chevalier-Longueuil! Alors, c'est vrai, ça, hein? Exactement, oui. Ah. Écoutez, Jacques, est-ce que c'est, est-ce que ce sont les problèmes financiers de 4 saisons qui t'ont comme poussé à t'acheter un garage? Pas en tout, parce que j'étais tanné de me faire entuber par les garagistes. Ah, c'est vrai, c'est intéressant, mais écoute, Jacques, pour que ça marche, ta business, ton garage, ça va te prendre des clients. Ah, justement, j'ai une idée très, très, très précise du genre de clientèle que je vais avoir dans mon garage. Puis grâce à des trucages super sophistiqués qu'on se doute pas du tout, c'est la magie de la télévision, j'ai réalisé un reportage dans lequel j'ai mis en scène mon client idéal. On regarde ça. Ma première business. Quand tu te lances en affaires, tous les détails sont importants. Comme la propreté, par exemple. Ça attire la clientèle. Frotte, 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 frotte. Grosse corvette, petite stepette. C'est ton genre, ça, frérot? Exactement, oui. Ah oui, c'est le genre que ta blonde t'a donné, ça. Exactement, oui. L'an dernier, on voulait me donner une peinture, puis comme j'en avais déjà plusieurs. Tu lui as demandé qu'elle t'achète une corvette à la place. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit la correcte. Regarde! Moi aussi, j'en ai un clown! Comment tu le trouves? C'est pas mal de fun. By the way, c'est quoi le bruit qui te tracasse sur ton char? Hey, t'es bon imitateur, toi! Justement, ça fait déjà 37 ans que je fais ce métier-là. Puis, on continue tout le temps. By the way, tu sens-tu encore avec Shirley Theroux? Exactement, oui. Puis, on continue tout le temps. Mais comment t'as fait pour la tirer dans ton lit? J'aimerais beaucoup me fasse en clown. T'sais. Méchant fantasme? Oh, comme on dit entre nous autres, dans les 3X. Ah, ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit quand elle a vu ta bédaine? Elle m'a dit ta correcte. Voyons, c'est que j'ai mis mes vice grips, moi. Dans les 3X. Comment ça, dans les 3X? Ah, oui. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu penses que ta transmission glisse? Check! Exactement, oui. C'est pas mal de fun. Pas mal de fun, pas mal de fun. C'est dangereux, ça. Ici, chez Location d'Auto-Jacques. C'est important, la sécurité. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Exactement, oui, oui. Ah, mais ton char est fini. Il est tellement propre qu'on dirait qu'on se voit dedans. On se voit en deux personnalités, je trouve. Ah, tu trouves ça, toi? C'est pas mal de fun. Avec quoi tu penses que j'ai nettoyé tout ça? Fantastique. Ah, c'est pas mal bon. Ah, garde-les donc pour toi, tes merci. Après tout, t'es juste un truc.